Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une page d'art journal XOXOX inspirée par le combo de l'entre-scrap de mars 2022. Une fois de plus, j'ai repris mon art journal avec une page que je n'ai jamais terminée. Donc je vais la recouvrir d'une couche de papier, de feuilles d'un petit livre que j'avais déjà utilisé. Je colle le tout avec du multimédium. Je prends du gesso pour cacher un peu l'écriture et unifier le fond. J'utilise de la peinture acrylique jaune que j'étale ici et là. Puis de la peinture acrylique orange. J'ai une peinture façon béton gris ardoise. Je vais faire 3 carrés que j'étale au couteau à peindre. Sur deux feuilles qui me restent, je vais étaler de la peinture lilas. J'ai un papillon violet que je vais utiliser sur ma page. Je tamponne avec des encres archival un peu partout sur ma page. Thank you.
J'ai de l'encre de Chine noire que je vais utiliser pour dessiner un grand cercle sur ma page. Et avec la même encre, je vais dessiner des motifs sur les pages que j'ai peint couleur lilas, des fleurs et des feuilles peintes à main levée. Ensuite, je fais quelques taches sur mon fond de page et je laisse sécher. Pendant ce temps, je vais découper les motifs que j'ai dessinés sur le papier lilas. Une fois que j'ai choisi la disposition, je vais coller mes éléments. Je vais faire deux groupes de fleurs, en haut à gauche et en bas à droite. Finalement, ça revient sur les carrés ardoises que j'avais peints au couteau précédemment. Sur une vieille planche de stickers, je vais utiliser les lettres XOX et je vais coller sur l'autre carré. Je rajoute quelques détails au feutre Posca sur mes fleurs, sur mes feuilles. J'ai trouvé une petite place pour coller le papillon. Et je vais rajouter des antennes et dessiner un petit motif pour signifier qu'il vole. J'ai trouvé des petites étiquettes que j'avais tamponnées et qui me restaient d'un précédent projet. Je vais les coller aussi sur ma page. Oh.
Pour un peu plus de contraste, j'ajoute quelques traits au Posca blanc à côté de mon titre parce que le noir sur le gris, ça se voyait pas trop. Il me reste à découper le tour avec les papiers qui débordaient de ma page. Et puis voilà, c'est fini. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Au revoir. Thank you.